On pourrait se faire une bataille de boules de neige, comme dans le Far West. Hey! Une bataille de boules de neige, ça vous tente? Surprise, motherfucker! Non, c'est pas de la neige, ça. Et donc, du coup, on va jouer avec les Bromizus. Mon nom, c'est Rengo. Et mon nom de famille, c'est Eastwood, évidemment. Parce que je suis le fils de Clint Eastwood. D'ailleurs, on est d'accord, hein, Mizu, hein? Bah oui. Toi, tu es le fils de Dubju. Bah. Je suis le fils de Zdazidi. Et il y a des gens qui sont en train de faire des trucs avec moi là. Je crois que c'est toi. Attends, t'es en l'air là? Ouais, c'est moi là. Ça se passe bien. Hein. Oh, t'as une meuf? T'as une bonne mec dans un corps de meuf. J'ai une meuf? Mais toi aussi t'as une meuf, gros. C'est vrai? Ouais. On vient du Far West, mon ami. Tu connais? On est les nouveaux cowboys qui viennent d'arriver en ville. On pourrait se faire une bataille de boules de neige, comme dans le Far West. Hey! Bataille de boules de neige, ça vous tente? Non, c'est pas de la neige, ça. On est quoi? Marchand d'armes. Docteur. Restaurateur. Alors, attends, mineur. Oh mec, est-ce que tu peux pas devenir garde du corps, gros? Patate. Est-ce que tu n'arrives pas garde du corps? Je me suis déjà fait des ennemis, mec. Marchand d'armes, les amis. Faut avoir au moins un rôle important, quoi. Y'a moyen de se retrouver? Ouais. Alors là, encore une fois, je suis en X... non, là, je suis à côté d'un error. Bonjour, Rufio. Oh, t'as une de ses gueules. C'est Rufio Westwood. Oh, mec. Ah ouais? Attends, je peux pas voir, putain. Oh, mec, c'est ouf, ta tête. Y'a eu du gabruge dehors. Monsieur le maire, c'est vous? Gabruge. Monsieur, c'était pas... Monsieur, c'était encore vert. Faut attendre le feu rouge, monsieur. Montrez l'exemple. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voulais savoir... Je vous écoute. T'as besoin de nettoyer une tâche ou pas? Attention, monsieur. Vous avez fait les tâches efficacement. Ça coûte combien, monsieur? C'est pas très cher, c'est 200$. 12 seconds later. Monsieur Carito. Attendez, monsieur. Suivez-moi, monsieur. Un dénommé Hans Schneider serait peut-être un tueur à gage ou un assassin. Hans Schneider? Oui. Il m'a proposé de. Ça me dit quelque chose. Il m'a proposé de tuer quelqu'un pour 200$. Oui. Est-ce une infraction, monsieur, ou... C'est vrai? D'accord. Vous me regardez bizarre, oui, monsieur. Vous avez des gros yeux. Je vais dévorer ton âme et pondre des œufs dans ton genou. Après, voilà, moi je balance, hein, simplement. Est-ce que je peux toucher un billet pour... Bien sûr. Merci, monsieur. Later. Monsieur Hans. La police m'a contacté pour me demander si vous avez vu passer. J'ai répondu non, évidemment, mais... Elle est vraiment à votre recherche. Mais si vous voulez, si vous donnez un peu d'argent, je peux acheter une arme et après je peux vous défendre. Non, je sais. Mais ils sont trois, monsieur. Vous voulez pas mon aide? Ah, vous avez vu, je vous l'avais dit, monsieur. Je vous mentais pas, hein. Donnez-moi une arme, vite, vite. Non. Vous allez y passer, monsieur, hein. Mettez-vous à la loi, vous êtes recherché. Déjà, comment tu sais que c'est moi qui ai recherché? Déjà, comment tu peux savoir? Il y a marqué au-dessus de la tête. Alors, attends. Attends, on va prendre une arme, hein. Prends le bâtard! Voilà, monsieur Julien! Monsieur Julien! Rendez-moi ça. Vous connaissez mon prénom, monsieur? Ah merde, pas de remarque! Ah, je te cherchais, nickel. Il me faudrait une arme à moi et mon collègue. Ça peut se faire. Non, viens, on va faire ça plus loin là. T'as quoi pour 500? 500, malheureusement pas grand chose. Ah, apparemment j'ai acheté un une P228 à 600. Ça vous va? Tu peux nous en faire deux pour 1000? Ouais, ça peut le faire, ouais. Ils vont tellement tuer ces bâtards. Ils vont tellement me tuer. Voici, messieurs. Vous avez besoin de balles aussi, également, ou pas? 100 balles, c'est pas évident. Tu nous as vendu 100 balles? Il y a quelques balles, mais il n'y a pas beaucoup de balles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment viser la tête, quoi. Après, vous êtes des experts, j'imagine. Ça dépend. Bon courage, monsieur. Ok, on s'en va, les mecs. C'est la merde. Je crois qu'ils ont pas de balles, les mecs, hein. Je crois qu'ils ont 0 balles. Il me faut un magasin, les amis, hein. Il me faut un magasin. Hein. Ah, apparemment, mon arme n'a pas marché. Hein. Moi, je n'ai toujours pas vu le magasin pour acheter des armes. Hein. Bah, c'est moi, en fait. Hey, salut. Bonjour, monsieur. Hey. Souhaitez-vous travailler pour moi? Je propose un petit. Oh, attention, monsieur. Attention, monsieur. J'aurais pas des armes. Vous avez eu votre permis dans une petite surprise ou quoi? Oui. Exactement.
Et boum, c'est chez moi mon pote. Vous avez acheté des propriétés, $30 $30 une maison. Pas dégueu. Il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour monsieur. Cherchez une arme. J'ai beaucoup de choses intéressantes. Des gros calibres, des petits calibres pour les autres. Qu'est-ce qui vous intéresse? Bonjour messieurs. Vous avez mémoire de poisson rouge ou c'est moi? Bonjour monsieur. Auriez-vous besoin d'un équipement? Non négatif monsieur. Non négatif, d'accord. Ça fait donc positif si c'est toutes les négations. Tout à fait, mais je n'ai pas besoin d'armes pour l'instant. Je recherche un client à protéger. Un client, très bien. Des armes? Écoutez, j'ai déjà un garde du corps pour moi, actuellement. Je vois, monsieur. Merci. Hein. Bonsoir, monsieur. Non, on veut de la pizza. Je vais mourir de faim, donnez-moi quelque chose à manger. Monsieur cuisinier, en fait, on aimerait savoir de la pizza gratuite. Non, tu comprends C'est un message en morse, monsieur. Un autre coup. Tu l'as pas tué, s'il vous plaît. On se cache. Allez, on va bien se barrer, mec. Monsieur Pizzaiolo. Monsieur. Salut. Vous avez eu des problèmes récemment? Non, absolument pas. Très bien, bah vous allez en avoir, je pense. Je cherche des... Ah bon? Ouais, je pense. En ce moment, il y a un gang qui tourne. Ils attaquent que les Pizzaiolo. Allez, je vais avoir à manger, s'il vous plaît. 100 balles pour une pizza pepperoni. Non, non, pas une boule de neige. Je suis calibré, contre le mur, je suis calibré. Vous avez dit 100 pour une seule pizza? Ouais, les fournisseurs ils sont chers. En bas de la rue, j'ai justement vu un Pizzaiolo qui vendait. Ou alors peut-être qu'il a pas les mêmes fournisseurs, je sais pas. Ah, il a peut-être pas les mêmes fournisseurs, hein. Il a peut-être pas le même client non plus, là, tu vois, avec la boule de neige là. Je vous donne une arme contre. À prix coûtant, monsieur. Un pistolet à 500. Et une pizza en plus. Deux pizzas. Je serais ravi de te le faire, mais je vais pas les moyens, je vais d'arriver dans la ville. J'ai même pas encore mes papiers. Écoutez, bah nous on vient du Far West, monsieur. Imaginez la galère. On fait quoi du coup, bro, pour poser des trucs? Mais je ne sais pas pourquoi. Je suis perdu là. Physique gun, peut-être c'est ça. Je pense pas, mais. Ok, absolument, génial, pas du tout. Ah, on peut déjà faire une discothèque. Ah ouais, je suis à 27 de bouffe. Viens, bro, on va aller voir le pizza en bas. Monsieur Elwan, bonjour. Oui monsieur. Je venais juste vous conseiller d'acheter une arme si je peux vous conseiller, puisque récemment il y a eu. Les 5 derniers Pizzaiolo qui ont eu cette enseigne sont tous morts, donc après c'est qu'un conseil, hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Ouais, je sais monsieur, mais j'ai toujours pas assez d'argent pour m'acheter une arme. Je propose un marché monsieur. Si vous avez un peu d'argent, je vous donne ce qu'il vous faut. J'arrive à la lettre, hein, parce que là ce que je vais vous dire c'est ça doit rester entre nous. Confidentiel absolument, d'accord. Pour 300 et 2 pizzas, je vous donne un Glock et des balles. Je peux aller chercher de l'argent moi, c'est pas un problème. Donne-moi les 2 pizzas monsieur et je te donne le Glock tout de suite, très bien. Et j'attends l'argent de monsieur. Vas-y. Ah, ça remet 50! Chaud. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Merci. Derrière. Code de mur, Viens, gros. Il est temps de se barrer. Viens, go! Oh, what? T'as tué? T'es mort, mon frère, t'es mort. Il est vengé, mon ami Ringo. Putain, je peux pas l'utiliser ou quoi? Marchand d'armes, j'ai pas réussi des armes. Blague. Tiens, je peux pas récupérer l'arme, sa mère. Monsieur Johnny. Monsieur Johnny, derrière moi. Ici, écoutez. Vous avez essayé une arme, monsieur. Prenez l'arme, monsieur, prenez l'arme, vite. Quelqu'un m'a dit que vous... Suis-moi. Monsieur Johnny. C'est vous. En dehors de votre magasin. Monsieur. Pas du tout, j'ai pas... Monsieur, j'ai pas vendu, j'ai pas reçu d'argent. Techniquement, c'est un don. Monsieur, je n'ai pas été payé. Une vente, par définition. Contre le mur, c'est illégal. Ce n'est pas illégal, monsieur. Parce que je n'ai pas vendu. C'est illégal de. Je t'ai retrouvé. Je n'ai pas vendu, monsieur. Je l'ai trouvé par. Elle était par terre, monsieur. J'ai vu une arme par terre et je lui ai dit d'apprendre parce que j'avais pas envie de la toucher avec mes mains. Ouais, bien sûr, c'est ça. Je suis un vendeur d'armes, mais j'aime pas les armes, monsieur. Merci, monsieur. Ça pète. Monsieur? Oui? Non, je veux pas d'armes. Vous êtes sûr, monsieur? Par les temps qui courent, monsieur, c'est important.
Vous avez dû prendre mon arme, monsieur. Hey, Sky. Non. Ringo. Bon les mecs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez bien rigolé. Moi j'ai bien aimé en tout cas, c'était marrant, ça m'a bien fait rire. Si c'était cool les amis, bah content si ça vous a plu en tout cas. Ça va bien se passer monsieur, ça va bien se passer. Baissez cette arme monsieur, baissez cette arme. La banque ne vous a rien fait monsieur. C'est pas une arme hein. C'est vrai que ça ressemble à une arme, ça a l'odeur d'une arme, ça a le design d'une arme, mais c'est pas une arme. Tout à fait.